On s'est connus au bord du manoir Saint-Sauveur. On écoutait les Olympiques pendant qu'on on tournait un film dans les Laurentides. Deux. Ouais. Oui. Puis on jasait parce que. Puis là, on avait beaucoup de temps. Tu m'as parlé de ton projet, puis j'ai fait. Mais écoute, si je suis là, je veux dire, j'ai rien au mois d'octobre, moi. Ouais. Et donc, c'était une lecture publique, c'était même pas la pièce. Et puis, on a fait On a répété ça, en fait, ouais. Dans le salon des auteurs de la licorne, ici en haut. Je dis, ça te tente-tu? On va faire quand même un peu de mise en place. C'est une lecture, mais il va y avoir une soixantaine de personnes. Fait qu'on a répété ça avec Benoît Moffett et Navet Confi. Puis, on a placé ça. Puis, tu t'es vraiment prêté au jeu. En fait, j'étais exactement. Tu m'as mis là exactement où je voulais être. À ce moment-là de ma vie. Et j'ai retrouvé la musique aussi, parce que moi, j'ai commencé beaucoup avec le rock. J'ai fait beaucoup de choses en musique tout jeune. Et là, c'était comme si je me... réconciliais un petit peu avec tout ça. Et puis, pour faire du théâtre, alors, waouh, moi, j'étais... Non, c'est ça. Puis moi, je ne le savais même pas parce que... Je t'ai dit, hey, je veux que tu chantes dans le show, il va y avoir de la musique live. Puis là, un moment donné, tu m'as dit, tu sais que j'ai eu une carrière, puis que le premier vidéoclip québécois. Là, je fais comme quoi? Là, je suis allé faire des recherches. Je fais, mais voyons. C'était pas une carrière, en fait. C'était ça, exploiter ce talent-là. Voilà. Et donc, c'est ça. Puis une gang de fous, ça a été merveilleux. Navet Confi, une grande découverte pour moi, Navet. Ouais. Et Benoît. Mais on est devenus quatre amis, en fait. Les acteurs de la pièce. Puis à Berlin, ça a comme. Cimenter tout ça, et puis nous revoilà. Je pense que ça fait trois fois qu'on reprend ce mot de pièce-là. On repart en tournée pour une dernière fois. Ouais, on va jouer au Périscope. On tire la plug. Je suis tanné, parce que Yves, faut dire ça. Yves, moi, je fais des plugs. Je l'ai ramené au Québec, mais je l'ai perdu aussi. Oui. Parce que. Il m'a remis au monde, en fait. Oui, mais dans le sens, je l'ai perdu dans le sens que tu es devenu complètement fou avec nous à nous côtoyer. Yves est rendu intenable. En tournée, dans la vanne de tournée ou dans les loges, c'est un fou. C'est un fou. Et on doit dire au revoir et à bientôt en espérant qu'on se revoie à la licorne dans une autre folie avec Mathieu Kenner. Oui, j'espère, Yves. T'es mon acteur fétichiste. Moi aussi, t'es mon fou adoré.